Salut la planète, c'est Rémi Hortz du Nevada Studio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire basé sur de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, oh là là, attention, ça va nous remplacer, tout ça. Non, il faut prendre ça pour un complément de créativité, de création, et vous allez voir qu'on peut faire des choses extraordinaires avec ce nouveau soft qu'a créé Sonarworks, et ça s'appelle SoundID Voice AI, ça remplace votre voix par une voix, des voix extraordinaires, mais pas que des voix, vous allez le voir. Donc SoundID Voice AI, c'est cette fenêtre où il n'y a pas grand-chose, mais vous allez voir que ça fait des choses absolument fabuleuses. Et vous avez à votre disposition 23 voix différentes et vous avez des previews allant des voix masculines, féminines, tout type de voix, vous en avez 23. This is my voice. Voilà. This is my voice. Avec des démos. Et des caractéristiques que vous pouvez voir juste à côté, donc des photos, évidemment aussi intelligence artificielle, on suppose. Donc tout type de voix. This is my voice. This is my voice. Et ensuite vous avez les voix masculines. This is my voice. Donc jeune. This is my voice. Donc quelque chose de plus mûr. This is my voice. Voilà, des voix plus saturées. Et vous avez par exemple Frédéric, This is my voice. Qui a des voix tout à fait différentes avec des textures différentes. Benjamin, This is my voice. Donc très très loud, très très bas. This is my voice. Là aussi, et vous allez voir que les dernières sont extraordinaires, surtout avec Mathieu. This is my voice. Ouais, voilà, exactement. Et vous avez aussi la partie créative, ce qu'ils appellent créative. Eh bien, ce sont des instruments. Exactement, il y a des guitares distorsion. Des saxophones. Des trompettes. Et oui, vous l'avez deviné, donc il suffit d'enregistrer votre partie vocale. Vous faites pam, pam, padadam. Et puis automatiquement, ben, vous mettez la trompette, une vraie trompette qui va remplacer votre voix. Extraordinaire. Donc j'ai fait quelques essais avec des percussions, avec un sax que je vais vous faire écouter tout à l'heure. C'est pas encore ça, mais sur les voix, c'est vraiment ça. Et vous avez un onglet ici, favori, qui vous permet donc ici de choisir vos voix que vous préférez et de les mettre dans cet onglet-là. Quoi vous dire de plus? Donc, il y a un bouton capture, on va le voir après. Et nous avons aussi un bouton ici, transpose, qui vous permet de passer donc d'une voix masculine à la voix féminine. Donc, automatiquement, il faudra peut-être monter d'un octave pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à une voix féminine. Évidemment, puisque c'est votre voix, la base. Vous avez donc, en dehors de la photo, du prénom, du preset actif, donc là, vous avez les préférences, ici. Et vous pouvez manager votre compte, évidemment. Ça va vous mettre sur votre compte Sonarworks. Et vous avez ici un bouton Browse Audio Cache Folder. C'est là où tous les fichiers donc de remplacement de votre voix vont se mettre et c'est dans la partie application data, roaming, Sonarworks, Sound Voice AI et dans le dossier cache. Donc de temps en temps, il va falloir aller là et faire un petit peu de ménage de manière à pas trop encombrer votre disque dur. Ici, vous avez My Token Balance. Donc My Token Balance vous ouvre tout simplement votre compte. Et vous pouvez acheter donc des tokens. Pour l'instant, je suis sur une version trial et c'est clairement indiqué. Il me reste 6 jours d'utilisation et il me reste sur mes tokens, j'en avais 9000, ce qui équivaut à peu près à 15 minutes d'enregistrement. Donc vous pouvez faire 3-4 chansons, 3 chansons, allez, avec les essais. Il me reste 4240 tokens. Alors pourquoi tokens? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça équivaut à peu près à 6-7 minutes voilà, de possibilité de faire votre... de faire des voix basées sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, quelque chose d'assez simple avec les niveaux, donc passer aussi en mode ici stéréo, non, donc là c'est la stéréo, mais par contre, toutes les voix, bien sûr, sont en mono, et je pense aussi que tout est en mono au niveau de, il faudra faire un essai, moi j'ai surtout fait les voix, évidemment, monophoniques. Donc pour l'occasion, j'ai fait un petit morceau, voilà, tout simple, assez
love song, on va dire. Et là, par contre, c'est ma voix avec Maker. Donc là, on va muter les voix IA et nous allons écouter. C'est pas très long. Je vous rappelle que le morceau est à la SACEM, donc n'essayez pas, les petits malins, de me le piquer. C'est pas marrant. Allez, on y va, on écoute. In your eyes, I see the skies where dreams take flight, where patience lies. Your touch ignites the fire within. My heart begins to spin. In the dance of stars above, our love shines bright, pure as a dove. Through every night and hey, together we'll carry on. Voilà, donc là c'est ma voix, donc vous voyez que sur ma voix j'ai pas fait grand chose, simplement une petite équalisation, un coup bas et une réverb de Steinberg, rien de plus. Avec, j'ai laissé quelques défauts justement de bouche, etc. J'ai pas nettoyé, j'ai pas utilisé d'effet d'insert, pas de compression, peut-être une compression donc à la prise un petit peu, voilà, sinon c'est tout. Je voulais garder des petits défauts pour voir comment se comporte donc cette transformation, cette capture avec la voix artificielle de SoundID Reference. De SoundID, pardon, Voice AI. C'est un autre produit. Donc voilà, on va écouter maintenant. Donc là, non, je n'ai fait que dupliquer les pistes avec mes voix. Et j'ai fait donc une capture. On va le voir de suite après. Mais vous allez voir le rendu donc ici avec, eh bien, Tyler, qui a une voix assez un peu rocailleuse, un peu rock'n'roll. Et j'ai trouvé ça pas mal donc pour débuter donc ce tutoriel. Allez, on écoute donc avec, basé sur ma voix, mais là, c'est l'intelligence artificielle. In your eyes, I see the skies where dreams take flight. Donc là, il s'agit bien de ma voix. Je remets sa voix. Your touch ignites the fire within. In your arms, my heart begins to spin. In the dance of stars above. Vous voyez quand même que c'est assez bluffant et le détail et tout, essayez de bien prononcer bien sûr quand vous enregistrez, corrigez avec Varié Audio ou avec une autre correction pour essayer de ne pas avoir trop de défauts, parce qu'une fois que c'est fait, ben c'est fait, voilà. Donc il va falloir refaire donc votre voix, donc utiliser vos tokens, donc faites attention à ça, donc faites quand même une voix assez propre, bien corrigée, et ensuite vous faites donc une capture. Donc ça c'est pour la voix masculine, donc je n'ai pas fait comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas fait de transposition. Par contre j'ai transformé ma voix avec une voix féminine, celle de Diana, Diana ou comme vous voulez, et Diana, eh bien c'est elle, voilà. Et là par contre j'ai transposé. Alors, on peut transposer avant ou après. Donc, vous n'avez pas utilisé vos tokens plus que ça si vous avez, oh, j'ai oublié de transposer. Non, non, vous pouvez le faire après. Ça fait simplement un aller-retour chez les serveurs donc, de Sonarver, je suppose, parce que le petit logiciel fait 65 mégas, je vous le rappelle. Donc, ce n'est pas un gros soft qui va prendre de la place. Et c'est
très, très souple et très simple d'utilisation. Donc on va écouter donc cette voix donc transformée avec celle de Diana. Et c'est parti. In your eyes, I see the skies where dreams take flight, where patience lies. Vous avez vu les lies, donc il y a vraiment la prononciation qui va jusqu'au bout avec les petits s qui vont bien, et ça capte aussi ma façon de chanter évidemment, mon trémolo, mais ça ajoute évidemment le trémolo et les caractéristiques de la voix de Diana, c'est extraordinaire. Donc j'ai fait aussi des chœurs, on le verra ensuite. Et là je voudrais vous montrer comment on procède donc pour faire une voix. Donc j'ai fait ici tout simplement, j'ai dupliqué une partie de ma voix. On peut le comparer, le vérifier. In your eyes I see the skies. Voilà, donc c'est ma voix. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va insérer ici le sound Voice AI et choisir une voix. Donc on va choisir n'importe quelle voix. Allez, voix Delton. This is my voice. Totalement différente de la mienne, avec une voix beaucoup plus aiguë. Je ne transpose pas. Et là, il y a un bouton capture. Donc voilà, donc on va faire une capture. Et on peut donc enlever le bouton solo, on peut simplement écouter avec le piano, sans les autres voix, peu importe, de toute façon on est sur la piste, et on a inséré donc le Sound ID Voice AI sur la piste, et nous allons faire une capture en lecture. In your eyes, I see the skies. Voilà, la capture, elle est faite. Évidemment, on a fait un court extrait de 7 secondes. Et là, on va pouvoir commencer le processus Start Processing. Il y a, je pense, l'équivalent de 70 tokens. Je pense que ça doit être ça. Ou alors, c'est peut-être 7 secondes, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Donc là, je pense que ça doit faire l'aller-retour chez Sonarworks. Et le processus alors s'arrête et va ralentir au bout de 79-80% sûrement pour faire l'aller-retour, c'est-à-dire le traitement, il se fait et il va revenir et installer donc le fichier dans roaming. N'oubliez pas ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez que le processus s'arrête ici, se bloque à 79%, voilà, et il va redémarrer. Et nous allons continuer et voilà, le processus est fait. Donc, Voice Enable, donc disponible. Et nous allons écouter la voix d'Elton à la place de la mienne. In your eyes, I see the skies. Et voilà, donc Elton est à ma place. Si je fais Voice Enable, eh bien, on retrouve ma voix. In your eyes. I see the skies. Et celle d'Elton. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et on peut faire donc exactement la même chose avec des instruments. Voilà, avec des Joe Harp. Avec de la basse, c'est-à-dire que vous faites pom 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 pom. Et donc, automatiquement, vous avez la basse qui se fait. Une slap basse, des saxophones. Et même des violons. Des percussions. Donc c'est-à-dire que si vous faites poum, tcha, poum, poum, tcha, eh bien ça va remplacer votre voix par ça. Bon, j'ai fait quelques essais. Il faut quand même super bien s'appliquer sur les percussions. Et à la limite, vous faites du time warping et vous arrangez, vous galez vos percussions. Donc j'ai fait un essai sur du saxophone. Voilà, on va tout simplement l'écouter. Le saxophone, il est là. Voilà, le saxophone, donc je ne me suis peut-être pas bien appliqué à la voix, mais je trouve que c'est beaucoup plus au point et plus facile d'utilisation sur une partie vocale. Allez, on va
voir, on va faire un tour complet sur les possibilités et les chœurs aussi, parce que sur les chœurs, j'ai mis eh bien, Rebecca et Hazel. Rebecca, c'est cette charmante dame, voilà, la trentaine. Vous voyez donc les caractéristiques vocales à chaque fois, et vous allez en insert pour vérifier. Donc la voix, là c'est Hazel, donc pareil, et là vous voyez que j'ai grimpé d'un octave pour que ça ressemble à quelque chose. D'ailleurs on va mettre en solo les deux et on va écouter les ces deux demoiselles, ou dames, je ne sais pas. In the dance of stars above, our love shines bright, pure as a dove. Donc là pareil, je n'ai même pas, mais je n'ai rien traité au niveau des voix. Là, vous pouvez le voir ici. Et pareil, alors là, je n'ai absolument rien fait. J'ai simplement mis une réverb, la révérence de Stenberg, point barre. Donc voilà, et j'ai laissé un petit peu, j'ai fait des coupures, mais j'ai laissé un petit peu des défauts pour vraiment s'apercevoir des qualités de capture. Et on va faire à nouveau eh bien, le tour avec les voix. On va faire un mix. In your eyes, I see the skies where dreams take flight, where patience lies. Your touch ignites the fire within. In your arms, my heart begins to spin. In the dance of stars above, our love shines bright, pure as a dove. Together we carry on. Voilà, c'était la présentation bluffante, je dois vous l'avouer, de Sound ID Voice AI, basée sur évidemment de l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur, voyez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez bien sûr prendre des chœurs avec des voix complètement différentes si vous êtes tout seul ou toute seule à chanter, ou si vous voulez proposer une ligne de chant avec votre voix qui est comme ça, quoi, essayez de bien l'adapter, et vous mettez donc cette voix et vous la proposez à votre chanteur ou votre chanteuse. J'espère que votre chanteuse est à la hauteur, parce que là, quand on entend ses voix, je vous assure que là, c'est, vous avez la preuve, hein, c'est extraordinaire. Donc, c'est fait avec une précision chirurgicale par Sonarworks, Sound ID, Voice AI. Allez sur leur site et vous avez une version trial, une version d'essai. Vous avez 9000 tokens, 15 minutes. Donc, vous pouvez faire 3-4 morceaux, 3 morceaux. Hein, voilà. Ne gaspillez pas donc vos tokens. Arrangez bien vos voix à vous. Et, et la partie créative. Alors, je ne suis pas allé encore. J'ai pas fait les essais sur absolument tout. Vous avez même une voix assez robotisée de Talkbox. Voilà, un peu auto-tuné avec une distorsion, c'est pas mal. Et vous avez l'onglet favori qui vous permet donc de sélectionner vos voix favorites. Il y en a 23, je vous le rappelle. Et vous pouvez bien sûr, si la voix ne vous plaît pas, le rendu ne vous plaît pas, vous faites un remove et vous recommencez. Donc évidemment, vous allez à chaque fois utiliser vos tokens. Voilà, et j'espère que ce tutoriel vous a appris pas mal de choses. Et utilisez l'AI, je vous le rappelle, avec intelligence, c'est le cas de le dire. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Et nous rapprochons d'ailleurs des 3000 abonnés. Et je voudrais vous remercier, justement, et pour votre fidélité. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, c'était Rémi Hortz du Nevada Studio. La présentation est terminée. Sound ID Voice AI, c'est extraordinaire. Salut la planète !